Bonjour, ma chaîne s'appelait Ma fibromyalgie à moi au quotidien parce qu'on m'avait posé ce diagnostic en 2009. Un rhumatologue m'avait posé le diagnostic de fibromyalgie et que la plupart des médecins que j'ai consultés depuis semblaient croire que j'avais une fibromyalgie. Seulement, l'interniste que j'ai consulté hier, 26 avril 2022, m'a bien confirmé que j'ai pas une fibromyalgie. En fait, je n'ai pas mal aux parties molles. Le seul organe qui me fasse mal, ce sont mes os. Des douleurs osseuses qui ont commencé quand j'avais 8 ans et qui se sont amplifiées petit à petit et qui se sont accompagnées d'une fatigue de plus en plus intense. Et plus tard, depuis quelques années, de problèmes de peau. Donc, pour le moment, il me fait des examens et c'est absolument pas ce que j'ai, mais il me confirme ce que je pensais, que ce n'est pas une fibromyalgie. Donc, toutes mes vidéos qui datent d'avant 2022, qui disent que je fais un témoignage sur la fibromyalgie, eh bien vous devez considérer que finalement c'était pas la fibromyalgie que j'avais. Par contre, celle où je parle de la fibromyalgie en général, c'est que je me suis renseignée dessus, donc les renseignements que j'ai pris à propos de cette maladie sont toujours valables.